Bienvenue à Patrouille sur la route aujourd'hui. Très belle journée. Deuxième journée en Northampton, Django and June. On est à Londres, ça fait du bien. On boit du Clos du Soleil, vin canadien avec Marcel Loffler. Très heureux de vous avoir. Toi et ton fils. Bah, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Patrick. Ah, ça fait plaisir. Parlons un peu de vous. L'accordéon, est-ce que ça a été toujours le premier instrument ou qu'il y avait d'autres choses avant ou... En fait, j'ai un petit peu de mal à parler de moi. Je veux bien parler de l'accordéon. Ouais. OK. non, sans se vanter, mais on veut en savoir un peu plus. Parce que les jeunes manouches, ils grandissent avec la guitare tout le temps. Hein? En fait, chez nous, il n'y a pas d'accordéoniste. Il y en avait quelques-uns chez mes anciens. Mm-hmm. Bon, maintenant, ils ne sont plus là. La plupart des jeunes, de toute façon, la plupart des jeunes, c'est la guitare. Il n'y a pas photo. Hein? Alors, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. C'est peut-être... L'accordéon, c'est quand même un instrument de torture. C'est un instrument très difficile à gérer, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Yep. Et tous les boutons, c'est avec incroyable. Déjà tous les boutons, déjà à la main gauche, il y a 120 basses, main droite, c'est à peu près pareil. Donc, tout ça, il faut savoir gérer, il faut mettre les bons accords. Là où il faut, quand il faut, quand on improvise, c'est pareil, il faut essayer de faire des phrases qui ne sont pas trop, qu'il ne faut pas se laisser prendre par l'instrument, parce que l'accordéon, ça peut devenir très, très vite ringard. Mm-hmm. Donc il faut surtout faire attention quand on improvise un truc, de ne pas tomber dans le panneau de l'accordéon qu'on connaît. Mm-hmm. Mais tu as joué quand même la guitare quand tu étais jeune ou... Du tout. Non? Je n'ai jamais touché. Si, j'ai touché une guitare comme ça. Mais, comme ça, mais. Mais jamais. La guitare pour moi, c'est vraiment du vrai chinois. Du vrai chinois. Pour moi aussi. Là, j'adore cet instrument. Je me demande comment ils font les guitaristes pour faire les accords, pour improviser. C'est vraiment incroyable. Bon, peut-être qu'on le dit pareil de l'accordéon. Hein. Ouais, je pense que oui. Mais qu'est-ce qui t'a attiré à l'accordéon? Écoute, pourquoi cet instrument-là là? Bah, tu sais, quand j'étais petit, j'avais 5 ans, c'est mon père qui m'a mis un accordéon dans les bras. Et à l'époque, je ne savais pas forcément ce que c'était qu'un accordéon. Mmh. Donc, un soir de Noël, il m'a acheté un petit accordéon avec une dizaine de touches. Tu avais 5 ans? Oui, j'avais 5 ans. Ah. Et puis, à partir de là, bah, je n'ai plus jamais quitté cet instrument. Parce qu'il m'avait appris, le soir même de Noël, il m'avait appris des chansons de Noël, Douce Nuit, Le Sapin. Les classiques. Et puis après, et que j'ai gardé ça pendant peut-être 6 mois. Et puis après, j'ai évolué très vite en fait. Très vite, je me suis aperçu que j'avais un potentiel pour jouer des choses un peu difficiles. Mm-hmm. Je commençais à copier des disques de partout, de Gus Weiser, de tous les grands accordéonistes qu'on connaît. Mm-hmm. Et 6 mois ou un an après, mon père m'avait acheté un instrument plus grand parce qu'il me fallait plus de touches. Mm-hmm. Et donc, depuis ce temps-là, ben, je n'ai plus jamais quitté cet instrument parce que je trouve que c'est le meilleur instrument du monde, mm-hmm. pour moi. Parce que d'abord, c'est un instrument voyageur qu'on peut exporter dans le monde entier. Mm-hmm. En fait, pour moi, quand je voyage à l'étranger avec mon instrument, j'ai l'impression d'être un petit peu l'ambassadeur de mon pays. Mm. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et puis les gens apprécient beaucoup. En fait, avec un accordéon, on peut tout simplement tout jouer. Il n'y a pas un répertoire au monde qu'on ne peut pas jouer avec cet instrument. Mm, c'est vrai. On peut jouer du classique, du jazz, évidemment, le musette qui fait partie de l'instrument. Yeah. Et en fait, on peut absolument tout ce qu'on veut avec. On peut faire tout ce qu'on veut avec cet instrument.
Tu parlais un peu de Gus Vizard, c'est ton influence principale ou c'est ton... Écoute, pour moi, Vizard, ça a été... Quand j'ai découvert Vizard, moi, je devais avoir 12 ou 13 ans. C'était un véritable choc émotionnel parce que pour moi, c'est le... Pour moi, encore aujourd'hui, c'est le véritable Django à l'accordéon. Mmh. Ah, c'est bien. Parce qu'il avait les mêmes manières de phraser. Et il ne s'est jamais laissé prendre par la technique qu'on connaît chez les accordéonistes. Parce que lui, il faisait avant tout de la musique et puis il phrasait. C'était tout le temps beau. Donc aujourd'hui, ça fait juste 50 ans que j'écoute Gus Vizard, je ne m'en suis jamais lassé. Ouais. Ouais. Je ne m'en suis jamais lassé. C'est comme Django, C'est comme Django. Après, évidemment, il y a eu des très grands aussi derrière Tony Mirena, fabuleux accordéoniste, Marcel Azola, tous ces grands. C'est eux qui ont tout inventé. Disons, c'est Vizard, Marcel Azola, Tony Mirena, c'est ces gens-là qui ont inventé cette façon de jouer avec les guitares manouches, le swing, les valses swing en mineur. C'est eux qui ont inventé tout ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, je leur dis tous les jours merci à Django et à Gus. Parce que s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'on ne connaîtrait pas cette musique aujourd'hui. On ne serait pas ici. Non, on ne serait déjà pas ici. Ouais. Et puis il n'y aurait pas tous ces festivals dans le monde entier. Ouais. Hein, de Django en tout cas. Comment vous trouvez ce festival-là ici? Écoute, moi je trouve ça fabuleux ce festival parce qu'il y a une convivialité. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une convivialité pareille ici aux États-Unis. On se connaît beaucoup, on connaît beaucoup de... Voilà, tout le monde se connaît, tout le monde est bien content d'être là, et puis tout le monde a envie tout le temps de jouer. C'est vraiment un lieu magnifique, je pense. Chez nous, il y avait ça à Saint-Mois-sur-Seine, il y a très longtemps, maintenant c'est aujourd'hui, ça a changé aussi. Donc c'est devenu un petit peu plus intello. C'est ce que je regrette un petit peu, moi. Mais voilà, de voir ça ici aux États-Unis, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est une musique qui... Puis à chaque année, il y a plus de monde. En plus, cette musique, il y a plein de gens qui m'ont raconté pendant mes séjours ici. Cette musique, elle est partout, quoi. Même en Uruguay. Ça, il faut quand même le savoir. Parce que c'est quand même le jazz le plus accessible, en fait. Pour le grand public, en tout cas. Ouais. Donc, ça swing, les gens aiment ça. Et puis, c'est une musique gay. Les gens, ils sont joyeux quand on entend cette musique. Voilà, et tout ça grâce à qui? Grâce à Django Reinhardt, encore une fois. C'est notre dieu, Django. Tu avais déjà fait une tournée aux États-Unis, mais... J'avais fait une grande tournée il y a un mois, en 2010. C'était des festivals. Hein, donc, on jouait dans des clubs et tout ça. À l'époque, je fais ça avec Dorado Schmidt. Mais c'était fabuleux aussi parce qu'il y avait des vedettes qui venaient nous écouter dans les clubs. Donc aujourd'hui, ça prouve bien que cette musique, elle est vraiment exportée dans le monde entier. Donc moi, ça me touche énormément. Quand je vois ça, en tout cas. Ouais. J'ai rencontré un musicien hier qui est venu de Argentine pour venir ici. Ah oui, c'est quand même incroyable de voir tous ces gens qui s'intéressent à cette musique. Je pense que cette musique, ça rend... Il y a des musiques qui rendent les gens plus ou moins tristes, mais cette musique les rend joyeux. Ouais. Parce qu'il y a une espèce de gaieté, une espèce de... Taper le pied. Joie de vivre, ouais. Non, c'est vraiment magnifique. Un CD bientôt ou dernièrement, quelque chose? Hein? Il y a un CD qui s'en vient? Alors, écoute, pour l'instant, c'est...
J'aimerais bien enregistrer un album bientôt, je pense que ça va se faire avec Birdy Lagan. Ah. Donc on est en pourparler. Parce qu'avec Birdy Lagan. Vous avez grandi ensemble, hein? Nous on a grandi ensemble, oui. Ah. Ses parents et les miens, ils étaient cousins. Donc on jouait pour nos parents en fait. On avait 10-15 ans tous les deux. Et puis à l'époque, c'était il y a très très longtemps. Hein. Mais oui, donc sinon, mon dernier album, il date de 2015 maintenant. Ok, c'est possible. Donc, que j'ai enregistré avec une autre accordéoniste qui est absolument magnifique, Domi Morin, que je vais m'empresser de t'enfiler un. Et donc là, on a enregistré justement avec Cédric. Ton fils. Oui, Cédric, le flair, avec un autre bassiste, Gilles Coquard, qui joue vraiment merveilleusement bien aussi. Et donc avec ce groupe-là, on a enregistré on a repris d'ailleurs quelques répertoires, pas mal de valses de Guizuizel. On a aussi fait du Maurice Ravel. Du Petrucciani, enfin bon, voilà, c'est un répertoire assez éclectique qu'on a enregistré sur ce disque. Ah, c'est pas... Et puis le disque, il est sorti chez Crystal Productions, en novembre dernier. Oh ben super, merci pour ton temps, pour la visite. Ça nous fait plaisir de vous avoir aussi. Ici. Puis, je vous souhaite un bon reste de semaine assez chargé, mais et un bon concert. Tu joues vendredi ou samedi? Je joue vendredi soir au théâtre. Ouais, un grand théâtre. Plein. C'est ça qu'on parlait hier aussi. Hein. Les gens sont là pour écouter, puis tu joues devant des musiciens. Ben, c'est ça qui est magnifique. Ça fait plaisir. Ouais, comme je dis toujours, continuez à boire du bon vin et continuez à jouer cette belle musique de Django et de Gus. Merci, Patrick. Merci.